les remerciements des femmes. 1 ou 2 euros pour acheter ces lampes qui vont partir à Gaza. Les femmes vont emmener de la lumière à Gaza. Participez à la mission, soutenez-la, les femmes, le 8 mars. Les femmes contre le blocus de Gaza. Jeunes filles, c'est ta fête le 8 mars aussi. Bah ouais. Les femmes, il n'y a pas d'âge pour ça, allez voir sur internet. C'est de soutenir l'appel des femmes de Gaza, qui appelle un appel qui est lancé aux femmes du monde entier pour aller, le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme, pour aller à Gaza, pour rejoindre ces femmes, pour faire parler de Gaza, pour casser le blocus et pour emmener de la lumière. Il y a des lampes ici qui seront emmenées à l'occasion, des lampes à dynamo, des lampes solaires, voilà. Une mission qui est soutenue par des femmes très connues du monde entier comme Djamila Bouhiret, qui est l'icône de la révolution algérienne, une prix Nobel de la paix en Irlande, soutenue aussi par des femmes d'Australie, d'Amérique, dont la rabbine Lingolient, voilà. Donc il y a des femmes du monde entier, écrivains, philosophes, résistants, et peu importe, qui soutiennent et qui vont participer à cette mission. Voilà. Donc on est là pour faire connaître cette mission. Voilà. Et vous êtes chargé de donner des tracts. Quelles sont les réactions des gens? Dans l'ensemble, ils prennent bien et d'autres... Bon, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'étrangers et tout. Il y a toujours une personne sur deux qui ne s'intéresse pas à... que ce soit cette situation-là ou une autre. Mais les gens, dans l'ensemble, on reçoit beaucoup de dons, de soutien, d'appels positifs, voilà. Alors Nadera, en toute modestie, est championne d'Europe de Kung Fu et elle vient à nouveau de remporter le trophée de la championne de France samedi dernier. Merci, c'est très gentil. Je suis aujourd'hui samedi 15 février, je suis à la fontaine de Saint-Michel pour essayer de briser le silence qu'il y a autour du blocus de Gaza. Et pour parler aussi de la coalition des femmes contre le blocus de Gaza. Donc nous sommes une centaine de femmes à vouloir se rendre à Gaza. Pour la journée internationale de la femme, le 8 mars. Donc nous partons au Caire, via le Caire, du 5 au 13 mars. Et nous allons apporter de la lumière aux femmes de Gaza qui lancent un appel au secours. Et, car ils sont dans une situation gravissime. Il faut savoir qu'il y a un blocus imposé par l'occupant israélien depuis plus de 7 ans. Et dès lors, ça crée de réels problèmes de la vie de tous les jours. Et ce sont souvent les femmes qui priment sur ce blocus et les enfants. Donc pas d'électricité, pas d'eau potable. Il faut savoir aussi qu'il y a un rapport de l'ONU qui annonce la fin de la vie à Gaza en 2020. Donc c'est un rapport qui annonce le génocide d'un peuple. Et à l'heure d'aujourd'hui, personne n'en parle. Et les médias sont complices de ce blocus immonde et de cette infamie. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de me rallier à cette coalition et de briser ce blocus et de me rendre à Gaza. Femmes du monde entier, nous vous invitons à venir nous rencontrer le 8 mars prochain à l'occasion de la journée internationale de la femme afin de constater par vous-même la triste situation dans laquelle nous a plongé ce blocus imposé par Israël et passé sous silence par le reste du monde. Les lampes solaires que nous allons emporter à Gaza.
bien là, depuis une semaine, nous avons terminé, clos les inscriptions parce que nous sommes une centaine de femmes et que nous n'avons pas la possibilité, malheureusement, de voyager à plus de 100 si nous voulons avoir une chance qu'on nous ouvre la frontière à Rafah, du côté donc par l'Égypte. Et cette campagne a été et continue à être entendue, c'est-à-dire que d'habitude, les médias non seulement ne parlent pas de Gaza, mais les rares fois où ils en parlent, c'est pour nous montrer, nous parler du Hamas, nous montrer des hommes tous barbus et forcément tous terroristes. Et tout d'un coup, les femmes, ça surprend les gens, comme si les femmes n'existaient pas dans 1 800 000 habitants de la bande de Gaza, alors qu'elles sont les premières victimes de ce blocus. Et donc ces femmes qui s'expriment, qui montrent qu'elles sont de tous les milieux. Il y a des artistes, il y a une jeune femme, Madeline, qui a 19 ans, qui pêche, qui est pêcheuse, si ça peut exister comme mot. Il y a des agricultrices, il y a des professeurs, il y a des étudiantes, il y a des avocates, des médecins, des infirmières. Et ces femmes qui s'expriment, eh bien, ça passe par Facebook, ça passe par les sites internet, mais ça donc franchit l'Atlantique, aux États-Unis, un peu partout, et ça a eu un écho tellement extraordinaire que, effectivement, c'est pas uniquement la symbolique de la journée de la femme et du 8 mars, mais c'est un ensemble de choses où les gens se prennent conscience, et notamment les femmes. Mais pas seulement, parce que quand elles prennent conscience, ça veut dire que, du coup, elles en parlent autour d'elles, à leur bureau, à leur famille, à leurs amis, et que tous ces gens qui finalement ignoraient un peu ce qui se passe dans la bande de Gaza prennent conscience. Et ça ne se fera pas en un jour, mais cette campagne, c'est une campagne qui a du succès, et dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que les gens s'indignent et ont envie de faire quelque chose. Alors on peut soutenir en en parlant, en faisant circuler les infos qui se trouvent sur la page Facebook Femmes contre le blocus de Gaza, ou sur le site europalestine.com, et on peut aussi envoyer des dons, et on trouve toutes les indications pour envoyer ces dons. C'est l'association Enfants de Palestine, 15 avenue du Bel Air, 75012 Paris, qui reçoit les dons, qui peut d'ailleurs envoyer un reçu fiscal avec déduction 66% du montant du don qui est possible, puisque c'est une association loi 1901, et ça nous permettra d'emporter encore plus de lampes et aussi des dons en espèces pour les associations de femmes que nous allons rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui avaient espoir dans François Hollande, dans le fait qu'il puisse adopter des positions courageuses vis-à-vis d'Israël. Est-ce que vous faisiez partie de ces gens qui portaient espoir en Hollande, ou vous êtes déçu, ou alors vous êtes... J'ai effectivement porté espoir au changement qu'on nous avait annoncé. Et il s'avère que ça, rien n'a changé, et au contraire, la politique sarkozienne a été suivie par la gauche, et en l'occurrence par Hollande. Et même, je pense qu'il fait un travail encore plus intense que celui de Sarkozy. Et je suis vraiment, vraiment déçue de la gauche. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de faire quelque chose, d'alerter l'opinion publique, certes, mais aussi se soulever et pourquoi pas une révolution. L'appel auquel nous répondons se fait en direction surtout de la population et notamment des femmes pour que faire pression sur nos gouvernements, sur l'Europe, sur l'ONU, pour que les résolutions internationales soient enfin respectées par Israël, qui se sent en ce moment en position de force pour n'en respecter aucune, pour se situer au-dessus des lois internationales. Donc vraiment, nous faisons appel aux citoyens et surtout aux citoyennes le jour du 8 mars pour que l'occupation et le blocus de Gaza soient enfin levés. Donc c'est une situation de détresse, et il y a vraiment urgence. Donc on est aujourd'hui ici pour
pour informer la population du blocus qui étouffe Gaza depuis cette année, un blocus qui est imposé par Israël et depuis un an maintenant par l'Égypte, depuis le putsch de Sissi en juillet 2013, et qui a fermé et détruit les tunnels qui permettaient d'oxygéner un petit peu la bande de Gaza. Donc le processus de paix, simplement pour compléter, je vais être un peu plus radical et dire que ce processus de paix, c'est encore une fois là, encore une mascarade qui n'aboutira pas. Et voilà, je sais que je suis très optimiste, mais c'est simplement un jeu des Israéliens encore pour gagner du temps et encore pour coloniser un peu plus la Palestine. Il faut savoir que chaque jour, des logements sont construits ou en planifiés. Il y a là actuellement, dernièrement, 500 logements qui sont planifiés pour être construits en territoire, en Cisjordanie, en territoire palestinien. Donc une vaste mascarade, voilà, des allers-retours des Américains, mais qui ne servent à rien, puisque la pression israélienne fera qu'il n'y aura aucune résolution qui sera respectée par Israël, qui continuera à agir impunément, et puis quelle que soit la pression qui sera exercée par l'Union européenne ou les États-Unis.